Et salut à tous, on se retrouve sur Des Jeux Flash le vendredi. On se retrouve cette fois-ci sur Age of War 2. Mais avant de commencer le jeu, je voudrais vous dire que ce week-end, enfin le week-end plutôt, j'ai décidé de pas faire de jeu Flash, enfin un par jour, sauf le week-end. Bien sûr, il y aura d'autres vidéos, par exemple Détente, Platine, Ranger, non, d'abord Evoland. Voilà. Donc on est vendredi, donc du coup samedi dimanche, ouais samedi dimanche, lundi on aura même si c'est férié, mais voilà. Donc on va commencer donc Age of War 2, qui est un jeu de combat stratégie action principalement, qui est assez sympa. Start Games Easy, parce que sinon c'est vraiment long. Alors voilà, donc là c'est les unités qu'on peut créer. Là c'est les défenses. Là c'est pour augmenter d'âge, enfin vous verrez ça de façon au fur et à mesure, ça c'est des upgrades, notre vie, nos pop, ça je sais pas du tout ce qu'il y a, ce que c'est pardon. Ah si, ça, je pense que c'est les nombres de personnes qu'on peut placer sur le plateau. Là c'est l'ennemi, là c'est l'XP, là c'est le gold. Donc l'XP va nous servir à évoluer en Spartan Age, donc dès qu'on a 6000 d'XP, on va pouvoir faire des Spartan Age. On va balancer de ça. Hop. Voilà, donc en fait le but c'est d'atteindre la base des ennemis pour détruire les ennemis tout simplement. Donc là voilà. D'accord. On va quand même pas speeder non plus à un point. Vous ne passerez pas. Bon, je connais pas toutes les stratégies, mais ça c'est sympa. En fait, on a trois classes au départ. On peut débloquer une nouvelle classe en Dino Hunt, donc en fait c'est 300, ça augmente au fur et à mesure des âges. Hop. Hop là. Donc dès qu'on a 7000 d'XP, on peut augmenter en Spartan. Et après au fur et à mesure, on peut évoluer en Alien en dernier je crois. Et on peut invoquer le méga alien avec 10 000 gold, qui est quand même assez cheaté, autant le dire. Hein. C'est quand même assez cheaté. Bon, easy, c'est comme son nom l'indique, c'est très facile. Après, c'est peut-être un peu plus complexe. Quality, ouais, c'est bon. Donc ça aussi, en fait, c'est un pouvoir qui permet de tuer tous les ennemis, les personnages créés par la base adverse. Avec des météorites, ou enfin ça dépend au fur et à mesure qu'on upgrade nos âges. Hop, donc on va pouvoir bientôt passer au Spartan Age. Ça fait combien de dégâts ça? 7 à 14, ouais, ça fait pas grand chose, on va pas en prendre tout de suite. On en met deux, on en met deux. Parfait. Donc là je pense que voilà, c'est ça. Donc là on a 9 pop ou 8, ouais, on en a 8 pop. Allez. Bon, je sais que vous n'entendez pas la musique, je suis désolé, comme le premier jeu Flash je vous ai dit, ouais la musique est épique. En fait vous l'avez pas entendu, mais j'ai mis une autre musique qui me plaisait bien. Donc ça faisait pareil. Mais bon là aussi je pense que je mettrai une autre musique qui me plaît bien. Je verrai et je verrai. Hop. Et bientôt à 7000. Attention. On va bientôt évoluer en... Attention, on est bientôt... Hop là, et on évolue. Donc là, voilà, donc là, notre château a évolué. Leur nom, donc du coup... Ah si, voilà. Ils viennent d'évoluer, donc du coup, hop. On peut envoyer ça, on peut envoyer ça, on peut envoyer ça. Par contre, je sais plus lequel est le meilleur. Mais bon. Hop. Donc là, il nous faut 8000 d'XP. C'est quand même long des fois, mais bon, c'est quand même assez sympa quand on aime bien les jeux de stratégie, parce que surtout quand on est en normal encore c'est quand même dur, mais au-dessus c'est quand même vraiment compliqué. Il faut savoir gérer les sections, par exemple eux ils sont bons contre les anti-armor, eux contre l'infanterie, eux contre les supports. Ah non, ça c'est les supports, donc ok. Donc, et eux ils sont bons contre... je sais pas en fait. Je peux pas vous expliquer. Mais sinon bref. Quand ça pop, du coup ça en met qu'un. HP, donc ça c'est les points de vie qu'ils ont. Donc il a 160. De dégâts lui fait 25 à 35.
25 à 35, ouais, donc c'est eux les deux meilleurs quand même. Hit speed normal, lui il est quand même rapide. Il va quand même en envoyer. Ils ont quand même l'air d'être rapides. Ils sont assez rapides en temps de construction, on peut appeler ça comme ça. Walk speed. Walk. C'est quoi déjà walk? Je ne sais plus. Walk, je sais plus ce que c'est. Range, je sais pas ce que c'est, range. Et après voilà, vous avez les descriptions. Ensuite on peut upgrade, voilà, on peut upgrade les anti-armor, les défenses, les. Mais bon, pour l'instant je trouve que pour easy, ça strictement à rien. Voilà, donc là on a fait pop des personnes. On n'a toujours pas atteint la base des ennemis, mais bon, ça devrait pas tarder quand même. Bon, ça serait un peu con quand même. On va quand même augmenter le speed. C'est vrai que c'est un peu long. Mais bon, avec le speed qui est chiant, c'est qu'il faut savoir gérer et tout. Donc là, il nous faut 8000, c'est ça. Ah, il a invoqué un Spartan. Ils font assez mal les Spartans quand même. Il en a invoqué plein en plus. Oh. Profitez. Hop là, on upgrade. Du coup, on passe à cet âge-là. Alors eux, on les envoie puisqu'ils sont cheatés. Les prêtres aussi sont quand même cheatés. On peut le dire. Peut-être commencer à poser une tourelle. Voilà, on va acheter une tourelle comme ça. On va acheter un truc, un truc, un truc, un truc. Parfait. Donc là, ça va être un peu plus cheaté parce que du coup, comme les Anubis et les prêtres sont quand même assez cheatés quand on les met à la suite. Parce que pendant ce temps que l'Anubis tape, le prêtre fait quand même beaucoup de dégâts. Il fait quand même du 15-25. Et lui, comme il fait du 30-50, c'est quand même assez cheaté. Vous voyez, il a quand même une assez bonne portée, le prêtre. Il peut endommager les personnes que l'Anubis va attaquer juste après. Donc c'est quand même un assez beau combo. Bon, après, quand il y en a dans les deux cas, c'est quand même assez le bordel. Hein. Mais par contre, ils sont pas résistants, les prêtres. C'est ce qui est dommage. Hop là. Voilà, comme voilà, là, c'est le gros dawa, là. Là, il y a mes FPS qui commencent un peu à dropper. En plus, là, il va faire le ménage, là. Quoique, si ça passe à travers. Bon. Hop là. Je pense que c'est parce que le speed est un peu trop fort. Mais bon, c'est pas grave. On arrive bientôt 9000 XP. Et on n'a toujours pas fait de points de dégâts à la base. C'est quand même assez dommage. On va... On n'a plus de place. On a une place. Ah, on est déjà arrivé aux 9000. Donc on va pouvoir upgrade. Ah, les griffons. Les fameux griffons. Que ils font quand même du 40-50. J'aime bien. Fast. Donc là, on va voir à l'œuf peut-être les griffons. À moins qu'on détruise la base des ennemis déjà, même si ça m'étonnerait. 50-70... Combien? Écoutez, c'est pas grave. Yolo. Comme on dirait. On peut plus construire. Ah d'accord, il y a un taux d'entité. Plus archers aussi sont pas mal. Ils ont invoqué les gros. Hein. C'est 10 000 XP pour arriver à la Renaissance. Et ils ont upgrade enfin. Ils ont toujours quelques Anubis, mais bon, ça devrait le faire. Un marché, un griffon. Il faut quand même mal aussi, cela. On va en envoyer un peu plus, quand même. Parce que les archers, ils font pas bien mal, encore. De loin, encore, ils font mal, mais sinon... Ah aussi, on a quand même fait pas mal de dégâts à l'ennemi quand même. On arrive bientôt aux 10 000. Allez, on y est presque. Hop là, 10 000. Donc on passe à la Renaissance. On voit la cavalerie. On peut pas. Il y a trop d'archers.
Hop là. Et il a invoqué un mage lui. Les mages qui font pas beaucoup de dégâts. Donc là c'est un peu galère. Bon, les tourelles qui sont quand même assez efficaces, hein, autant l'avouer. Bon, le griffon là, il me fait quand même un peu peur. Donc, du coup, on va envoyer un gros chevalier. Enfin, le griffon, il me fait un peu peur. En fait, on la destroy quand même assez facilement. Hop là, c'est parfait. 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 Voilà, donc toujours faire suivre un tank avec un sniper, c'est une bonne tactique, au moins vous avez toujours de la défense derrière. En plus ils tirent d'assez loin je trouve, ils font quand même assez mal hein, les chevaliers. 11 000, 11 000, hop 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 et hop. Bon bientôt dès qu'on va arriver au temps moderne ça va vraiment être cheaté. Je crois que c'est les grenadiers les plus cheatés. Que je dise pas de bêtises. Ouais, voilà. On va voir ce que ça donne avec des grenadiers. Bon, déjà, il faut d'abord qu'ils arrivent à me tuer. Ils en sont qu'à la Renaissance encore, je crois. Ouais, ils n'ont pas encore évolué au temps moderne. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Ah non. Non, ils sont au Moyen-Âge encore. Là, ils en sont à la Renaissance. Ouais, donc on a une âge de plus qu'eux. C'est pour ça qu'on leur faisait si mal. Pff, les grenadiers sont tellement cheatés. Bon, je crois que ça va déjà être la fin. Bon, enfin, déjà, c'est déjà bien. Mais bon, comme je vous l'ai dit, si vous mettez en normal ou en... Ah, ils ont quand même des bonnes défenses, hein. Mais bon. Ça va descendre assez vite. Regardez. Regardez la vie des ennemis, franchement. Regardez la vie des ennemis. Oh, elle part à une vitesse hallucinante. Donc là il n'y a plus de place, il n'y a plus de place pour les entités grenadiers. Les grenadiers franchement c'est les meilleurs niveau temps moderne parce qu'ils font tellement de dégâts. Regardez à quelle vitesse où elle descend la vie de la base et on a gagné. Voilà donc comme je vous l'ai dit si vous choisissez par exemple Hard, Medium ou Insane Difficulty, vous allez galérer. Enfin, normal encore, c'est pas ça, mais Hard ou Insane Difficulty, c'est vraiment très compliqué. Voilà, donc j'espère que ce jeu vous a plu. On se retrouve lundi pour un autre jeu Flash. Moi, je vous dis ciao ciao tout le monde. Allez, à la prochaine.